Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Juste Prix. Aujourd'hui, on ouvrira le troisième volet de la vitrine s'intitulant Halloween. Et pour cause, surtout aujourd'hui, parce que c'est Halloween, la fête des morts. On va vous faire peur toute la journée, toute la semaine, surtout aux candidats qui vont nous rejoindre sur le plateau. On découvre d'abord les quatre candidats. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe, nous allons accueillir Joseph Labrousse qui vient de la Ferté-sous-Loire en Seine-et-Marne. Sylvie Simon de Sainte-Geneviève des Bois dans les Seuils. Yvon Lelièvre de Saint-Fond dans les Rhônes. Et une ville solitaire de Vitry-le-François dans la Marne. Je souhaite la bienvenue aux quatre candidats qui viennent de nous rejoindre pour du cadeau de sélection. Vous allez pouvoir vous mettre au badminton avec ces deux raquettes et un volant pour débutants. Combien coûte l'ensemble badminton? Joseph, vous êtes le premier à estimer le cadeau de sélection, je vous écoute. 35 euros. 35 euros, c'est votre première proposition, Sylvie. 20 euros. 20 euros, Yvan. 24 euros. 24 euros, Ingrid. 36 euros. Très bonne technique, mais malheureusement, elle ne marche pas, parce que Joseph l'a largement surestimé. Mais je vous ai vu regarder l'article comme il faut, comme Sylvie et Yvan, parce que vous êtes coude à coude, et si vous avez dépassé le prix qu'a donné Yvan d'un euro, vous auriez donné le juste prix de l'article, et de 25 euros, Yvan. Yvan, vous venez de gagner l'ensemble badminton, vous venez d'où? Je viens de Saint-Fond, en banlieue lyonnaise. Vous y faites quoi, Saint-Fond? Je travaille dans la vente de journaux. Dans la vente de journaux? Oui, je vends des journaux à la sortie du métro. Je vous propose le tyrolien. Ok. C'est parti! Alors Yvan, si vous arrivez à estimer les trois articles, regardez où vous allez partir. Yvan, vous partirez sur l'île des Canaries pendant une semaine sur la plage. Vous séjournerez dans un hôtel 4 étoiles avec piscine aquatique. Vous vous rendez compte, une semaine aux Canaries. Vous allez avoir chaud pendant une semaine au bord de la mer pendant que nous, on aura froid. Enfin, c'est pas encore gagné car il faut tout d'abord estimer les trois articles et faire en sorte que le tyrolien ne tombe pas dans la falaise. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'estimer à son plus juste prix chacun des trois articles, et à chaque marge d'erreur, le tyrolien monte selon la barge. Premier article. Un jouet camion de pompier interactif. Le camion de pompier, combien coûte-t-il, Yvan? À vous de me donner le juste prix. 30 euros. 30 euros, est-ce le bon chiffre? Non, regardez le tyrolien. Attention, attention, attention. Oui, 9 marches. Allez, article suivant. Vase en plastique pour mettre vos belles fleurs. Le vase en plastique, quel est son prix? Je vous écoute. 10 euros. 10 euros, est-ce que vous n'allez pas le regretter? Je ne sais pas, surtout que je l'ai dit juste au hasard. Peut-être que vous avez bien fait, vérifions. Bon, regardons. Ah, c'est tout? Bah c'est bien parti, dernier article. Un aspirateur sans sac. L'aspirateur sans sac, combien coûte-t-il? Allez, encore un effort, c'est le dernier. Regardez bien l'article. 116 euros. 116 euros, est-ce que vous avez raison? Non, regardez le tyrolien. Oh, est-ce que vous n'avez pas été trop gourmand? Oh. Vous partez dans les Canaries. Ça a été chaud, mais vraiment chaud. À la dernière marche, le tyrolien y chutait. Regardons les réponses. Le camion de pompier coûte en réalité 21 euros. Le vase en plastique, 12 euros. Et l'aspirateur sans sac, 105 euros.
J'ai aussi la roue à vous proposer. Papa, où il est passé, Yvan? Il a dû partir, je sais pas. J'allais lui dire qu'il peut se qualifier pour dimanche et tenter de remporter la vitrine. Bon, passe à un nouveau candidat. Si vous voulez participer au juste prix, rendez-vous sur MyTFA. Vous pouvez également prendre des bons de participation dans tous les magasins Bip et l'envoyer à l'adresse suivante, TFA Le Juste Prix, CEDEX 4000, 99 400 Paris-Concours. C'est le moment de découvrir le troisième volet de la vitrine. Aujourd'hui, c'est Halloween, on vous offre donc tous les ingrédients pour réussir la fête. Comme par exemple ces bougies en forme de citrouille et une sorte de toile d'araignée en coton qui sert de nappe. Pour décorer votre maison sur le thème d'Halloween, on vous a ajouté des guirlandes représentant des citrouilles. Pour faire peur à vos amis, on vous offre des masques dont l'un représente une citrouille et l'autre une tête de mort. Et si vous avez faim, on vous a mis à disposition des bonbons d'Halloween que vous pouvez donner aux enfants qui frappent à votre porte. Et bien ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous passiez de meilleures fêtes d'Halloween. Parce que l'un des trois candidats qui tournera la roue et se qualifiera en finale essaiera de remporter, si je puis dire, cette monstrueuse vitrine. La roue va faire son apparition. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la case 100 qui peut vous faire remporter ceci. En effet Philippe, si vous tombez sur la case 100, vous pourrez repartir avec cette cuisine équipée offerte par les magasins But. Yvan, vous êtes le premier à tourner la roue. Yvan, quoi qu'il arrive, partira dans les Canaries avec la personne de son choix. Vous ferez 60. Retenez bien vos scores, ça peut vous porter chance car vous pouvez qualifier pour dimanche. Laura, à vous de jouer, c'est dépasser 60. Vous vous dites déjà, j'ai gagné 50 000 euros, plus quoi, mais vous pouvez gagner plus en vous qualifiant pour dimanche pour remporter la vitrine. Combien vous faites? Ah, 25, ça va être dur d'inquiéter Yvan. De toute façon, je vous souhaite un bon retour à Ville-Saint-Jacques. Et n'hésitez pas à revenir. Qui entre Walid et Yvan va être qualifié pour la finale de dimanche? Walid, allez-y, essayez de battre Yvan. Walid, qui vient de la Queue-en-Brie dans le Val-de-Marne, va repartir avec Ali, qui l'a remporté à la main dans le sac. Ah, malheureusement, ce n'était pas loin, 55. Yvan a compris, il est qualifié pour dimanche. Mais rassurez-vous, Laura et Walid, vous ne repartirez pas les mains vides, on a des cadeaux de consolation à vous offrir, pourvu que ça vous plaise, écoutez. Laura et Walid, vous repartez avec le DVD des meilleurs moments de la Coupe du Monde 2018. TF1 vous offre le jeu de l'édition, et le coffret intégral de la saison 11 de la série New York Unité Spéciale que vous pouvez gagner sur MyTFA. Voilà Laura et Walid, je vous souhaite un bon retour. Merci. Yvan, vous allez partir aux Canaries. Mais là, je vais vous envoyer dans un pays où vous allez oublier là où vous habitez. Regardez où vous irez. Yvan, vous partirez à la digue, île des Seychelles avec l'océan. Vous aurez l'occasion de voir les grands rochers avec en face la plage de 11 sources d'argent. Vous séjournerez dans un hôtel 4 étoiles avec piscine et jacuzzi. Si vous gagnez ce voyage, vous partirez même après les vacances de la Toussaint parce qu'on met 15h30 pour effectuer le trajet Paris-La Digue. Mais avant, il faut estimer le prix du voyage et donner son juste prix. Vous me dites un nombre compris entre 1000 et 10 000 euros, vous avez 20 secondes. Ok. Donc vous avez 20 secondes pour trouver le juste prix de votre voyage.
Ne bafouez pas, soyez tranquille, moins stressé. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1... 1000 euros, c'est plus. 2000 euros, c'est moins. 2500 euros, c'est moins. 2400 euros, c'est moins. 2300 euros, c'est moins. 2200 euros, c'est moins. 2100 euros, c'est moins. Bah alors, c'est quoi? J'ai dit 2000 euros tout à l'heure. C'est moins. Allez vite. 1500 euros, c'est moins. 1400 euros, c'est moins. 1300 euros, c'est fini. Mais je me suis crevé le cul pour trouver le juste prix. Oui, mais Yvan, quand vous avez dit 2000 euros, je vous ai dit c'est moi. Ensuite, vous m'avez lâché 2500 euros. Bah comment je pouvais savoir, moi? Regardez, le juste prix du voyage était de 1096 euros. Mais j'ai fait presque. Oh, Yvan, vous n'allez pas pleurer pour un voyage. Je comprends que c'est beau à voir. Mais je vous rappelle que vous allez partir dans les Canaries. Oui, bah j'aurais pu faire un autre voyage. De toute façon, rien n'est perdu. Vous pourrez toujours remporter la vitrine dimanche prochain si vous imitez les voyages. Vous voulez que je vous démonte votre tête ou quoi? Vous savez quoi? Soit vous vous calmez et vous tentez de remporter la fameuse vitrine, soit vous quittez le plateau et vous repartez les mains vides. Bah non, je ne repars pas les mains vides, puisque je pars dans les Canaries. Bon, j'ai assez discuté avec vous, faites la gueule si vous voulez, mais nous, on n'a pas le temps. On retrouvera Yvan dimanche prochain. Quant à nous, on se retrouve demain avec de nouveaux candidats et un autre qualifié pour la finale. Bonne fête d'Halloween, bonne journée, à demain. Il a dû partir, je ne sais où. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Coupé. Bon, on passe à un autre candidat. Décidément, fais des fautes, quoi. Coupé, Yvan, vous partirez. Non, je me trompe de texte, excusez-moi. Coupé.